le graffiti, ça touche maintenant, ça touche pas essentiellement les graffeurs, ça touche les gens. De le mettre en action avec d'autres choses, moi je trouve ça, voilà, c'est bien de rajouter de la force. Et quelque part, moi quand j'ai commencé à peindre, j'étais un gamin, donc voilà, il y a plein de mômes aussi qui kiffent le foot, donc c'est tout ça, je trouve que voilà. La plupart des gens qui ont peint sur le projet, c'est des professionnels, c'est des gens qui font que ça. C'est plus comme avant où maintenant on est amené à être dans des projets où tous les artistes sont matures et peuvent gérer ce genre de gros événements. Pues este evento yo creo que para mí es muy importante porque aparte de que estar pintando en París y estar aquí en el centro de París, en el corazón de la ciudad parisina, pues yo creo que lo importante es también acercarnos a nosotros, al artista urbano, al deporte como el fútbol. Porque yo personalmente a lo mejor no soy muy seguidor del fútbol, pero en este evento pues hace que busque un poco más información, controle más y la gente también de la calle pueda acercarse, preguntar y conocer más acerca del arte urbano. O sea, yo creo que esto es una pasada, es súper importante, se debería hacer esto en toda la ciudad del mundo y yo estoy muy contento de estar aquí. Questo progetto è stato realizzato da Laplace, e penso sia la più grande associazione di Parigi che si occupa di hip hop e di eventi artistici di street art e writing. Per questo evento ho dipinto Maldini, Paolo Maldini, penso sia uno dei simboli del calcio italiano e sono molto onorato di averlo rappresentato qui a Parigi per gli Europei 2016. That's what graffiti is all about. It's always about communication, carrying a message. You know, this is like the most powerful tool you can use to get a message across is graffiti. You want the world to know who the best soccer players are, who the best team is, you know, what the best event is. We use graffiti. All the big companies know this. That's why they use it in their commercials and stuff. And it all started for free on the subway trains back in New York. Now here it is. We're in the middle of Hotel de Ville and we got all the football players coming over, man. We got the FIFA people here. We got all the dope artists from Paris, man, rocking their shit. Also, not only Paris, but Italy, Spain. You know, come on, man. This is a worldwide thing, man. Qui montre que l'euro inspire, que Paris inspire et que la culture peut faire résonner le sport dans des dimensions bien au-delà. Et donc on est très heureux d'avoir trouvé avec Laplace un partenaire qui représente toute l'excellence de Paris en matière de cultures européennes et notamment la culture hip-hop, celle du street art. Je peux déjà vous féliciter de la qualité du travail avant même qu'on enlève ces rides noires.